Quatre choses importantes que tous les hommes célibataires doivent savoir. Ok frère, si tu es célibataire, cette vidéo va t'aider. Même si tu viens à peine de rompre, cette vidéo va t'aider. Avant de commencer, laisse un like, c'est très important. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. La première chose que tu dois savoir, ok frère, si tu es un homme célibataire, sache que ton bonheur ne dépend pas d'une femme. Ok frère, le fait d'être heureux, ça ne dépend pas d'une femme. Parce qu'il y a des mecs qui sont là, ils sont célibataires, ils sont désespérés, ils sont tristes, ils sont dans une dépression. Pourquoi? Parce qu'ils sont célibataires. Ça fait 6 mois qu'ils sont célibataires, 1 an qu'ils sont célibataires, ils sont dans la masturbation, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils se disent qu'ils seront seulement heureux une fois en couple. Bro, si tu penses de la sorte, ce qui va se passer, le jour où tu te mettras en couple, tu seras un fardeau émotionnel pour cette fille. Les personnes qui sont un fardeau émotionnel sont les personnes qui comptent sur les autres pour être heureuses. Sont les personnes qui mettent la clé de leur bonheur entre les mains des autres. Yeah, tu deviens un dépendant affectif. Et là, c'est dangereux. Bro, avant de te mettre en couple, trouve-toi quelque chose qui peut te rendre heureux. Trouve quelque chose que quand tu fais, tu es heureux avant de te mettre en couple. Parce que si tu te mets en couple étant malheureux, étant désespéré, tu comptes sur cette fille pour te rendre heureux. Bon, tu seras un fardeau émotionnel pour elle. Une fois qu'elle se rendra compte que tu es un fardeau pour elle, bon, crois-moi, elle va te quitter. Parce que les femmes ne veulent pas que les hommes soient des fardeaux pour elles. La plupart des mecs que vous voyez qui sont possessifs, narcissique, collant dans les relations, c'est parce qu'ils ont mis la clé de leur bonheur entre les mains de la fille avec qui ils sont. Quand tu mets les clés de ton bonheur entre les mains de la fille avec qui tu es en couple, tu seras possessif, collant, narcissique. Et elle sentira que tu es un fardeau. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise énergie. La plupart des hommes qui sont désespérés, qui sont tristes, qui sont dans la dépression, ils ont une mauvaise énergie. Et quand tu rentres en couple avec cette mauvaise énergie, tu deviens un fardeau émotionnel pour la meuf avec qui tu es. Donc bro, avant de te mettre en couple, cherche à être heureux seul. Vous devez voir les femmes comme un plus. Ok, les mecs qui sont célibataires, vous devez voir les femmes comme un plus. Gagner l'argent te rendra heureux. Trouver un travail te rendra heureux. Investir sur toi te rendra heureux. Une fois que tu as toutes ces choses, la femme doit être la cerise sur le gâteau. Donc quand une femme rentre dans ta vie, il faut qu'elle te trouve déjà heureux. Parce que la réalité, les femmes n'aiment pas être en couple avec les mecs malheureux. Et quand tu te mets en couple avec une femme qui a une bonne énergie, ton bonheur va s'amplifier. Parce qu'au départ, tu étais déjà heureux. Arrêtez de penser que c'est seulement en couple que vous allez être heureux. Non. Cherchez quelque chose que quand vous faites la chose, ça vous rend heureux. La deuxième chose que les mecs célibataires doivent savoir, ok? Si tu es célibataire, sache que c'est le meilleur moment d'investir sur toi. C'est le meilleur moment d'être à fond sur tes objectifs. Parce qu'une fois en couple, ton temps sera partagé. Tu vas commencer à créer du temps pour une personne. Oui, une fois en couple, tu auras du mal à épargner. Parce que de temps en temps, tu auras envie de faire plaisir à ta meuf. De temps en temps, tu auras envie d'emmener ta meuf au resto, dans un fast-food, aller prendre un verre. Mais quand tu es célibataire, tu pourras épargner. Tu pourras mieux travailler sur toi, mieux investir sur tes projets. Tout ça quand tu es célibataire. Donc ne voyez pas le célibat comme une malédiction. Non, je suis célibataire, les filles ne veulent pas de moi, je ne sais pas pourquoi. Non bro, vois ça comme une opportunité d'avoir le temps d'être à fond sur tes objectifs. Profitez de votre célibat pour travailler sur vous, pour être à fond sur vos objectifs. Parce qu'une fois en couple, votre temps sera partagé. La troisième chose que les hommes célibataires doivent savoir, si tu n'as pas le succès avec les femmes dans le game, ou bien tu ne dures pas dans tes relations, tu dois changer quelque chose chez toi. Ok frère, peut-être tu es célibataire, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore changées. Peut-être tu n'as pas de succès avec les femmes dans le game.
parce qu'il y a des choses sur toi que tu n'as pas encore changées. Peut-être ton look, ton style vestimentaire, okay, ton attitude envers les femmes, ou bien quand tu es en couple, tu es trop collant, tu es trop possessif, tu es narcissique, tu veux trop contrôler, tu veux toujours savoir où elle est, ce qu'elle fait. Bro, ça te rend un peu narcissique aux yeux des femmes. Donc tu vas toujours de relation en relation. Voilà pourquoi un homme doit toujours se remettre en question. Que ce soit dans le game ou dans les relations, quand tu n'as pas de succès avec les femmes dans le game, remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Si tu remarques qu'à chaque fois que tu es en couple, c'est toujours 2 mois, 3 mois, remets-toi en question. Qu'est-ce qui fait en sorte que tes relations ne durent pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas de succès avec les femmes? Est-ce que c'est ton style vestimentaire? Est-ce que c'est ton attitude dans le game? Est-ce que parce que tu n'as pas confiance en toi? Est-ce que tu as peur? Est-ce que pose-toi des questions. Ok, en relation, pourquoi tu ne dures pas avec les femmes? Parce que tu es trop collant? Parce que tu es trop gentil? Parce que tu es trop présent? Ok, qu'est-ce que tu fais de trop? Qu'est-ce que tu fais de moins? Ou bien parce que tu es trop dur? Tu ne sais pas à quel moment être dur, à quel moment être cool? Pose-toi des questions. Et pour ça, tu as besoin d'être seul pour avoir les meilleures réponses. Si tu es célibataire, tu remarques que tu n'as pas de succès avec les femmes dans le game. Tu n'as pas de succès avec les femmes en relation. Remets-toi en question. Qu'est-ce qu'il faut changer chez toi? Qu'est-ce qu'il faut changer sur toi? Qu'est-ce qu'il faut changer en toi? Et la quatrième chose que les hommes célibataires doivent savoir, ok? Ne tolérez pas tout et n'importe quoi parce que vous voulez vous mettre en couple. Certes, tu veux te mettre en couple. Certes, tu veux d'une meuf. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tolérer tout et n'importe quoi. Quand tu es désespéré, tu acceptes tout et n'importe quoi. Même quand elle va commencer à te manquer de respect dans la drague, tu vas tolérer parce que tu veux te mettre en couple. Tu vas tolérer parce que tu es désespéré. Il y a des femmes qui vont essayer d'abuser de vous pendant la drague. Elles vont se dire, ok, parce qu'il veut, je vais lui demander tout et n'importe quoi et il va faire. Ok frère, tu veux d'une femme, mais ne sois pas désespéré. C'est pas parce que tu veux te mettre en couple que tu dois tout tolérer. Ok les gars, si tu remarques que son attitude ne concorde pas avec tes valeurs, non, ne brise pas tes valeurs parce que tu veux être en couple. Restez fort, peut-être ce n'est pas le moment pour vous de vous mettre en couple. Restez fort, quand le moment pour toi de te mettre en couple va arriver, les choses seront faciles. La femme sur qui tu vas tomber, elle rendra les choses faciles pour toi. Pourquoi? Parce que c'est le bon moment. Ne te prends pas la tête. Vois ça comme le meilleur moment pour toi d'investir sur toi. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.